Et bonjour tout le monde, donc c'est PapaMousse1803, donc on se retrouve pour le deuxième épisode de Mind Disney. Donc je voulais reprendre là où je vous avais laissé la dernière fois, mais quelque chose a fait que quand je suis arrivé sur le serveur, il y avait un changement au niveau du spawn. Donc vous vous souvenez, la dernière fois j'avais commencé ma vidéo, on était là-bas. On ira faire un tour dans le village sur un autre épisode, mais voilà. Alors vous vous souvenez, au premier épisode, il y avait un téléporteur ici. Eh ben ils l'ont enlevé a priori maintenant. Voilà ce que ça donne. Donc on voit le château avec écrit en gros Mind Disney. Et je pense que pour rejoindre le street, voter. Et voilà, on se retrouve là où on était. Donc je vous retrouve là où je vous avais laissé pour une attraction. A tout de suite. Et recoucou tout le monde. Donc on se retrouve. Donc on est bien et belle à la sortie. Space Mountain, donc si vous vous souvenez, on a fait Space Mountain tout à l'heure. Bah tout à l'heure plutôt, l'autre jour pour moi. Ou peut-être tout à l'heure, ou peut-être hier, je sais pas, quand j'ai mis la vidéo quoi. Donc on va se retrouver, on va sur celle-là. Donc j'ai sorti mes coordonnées parce que je cherchais justement l'emplacement de cette attraction. Donc let's go, on y va. Donc je sais que c'est le Nemosus. Bon, bah, je présume que c'est par là, on va visiter. Donc oui, après c'est un serveur qui est vraiment basé sur la visite, selon ce qu'on fait. Donc voilà, donc ça c'est l'attraction du Nemosus. Ouais, bon, j'essaye, j'appuie, je vois s'il y a des trucs à faire. Mais a priori cette attraction est basée sur une visite. Purement pur et simple quoi. Ça c'est chaud. Donc on avance. Donc ça a l'air d'être le moteur ou une bêtise du genre. Ouais. Bon bah voilà, oui, donc là cette attraction est plus basée sur sur de la visite qu'autre chose. Ouais. Donc a priori j'aurais une mauvaise eco, je sais pas ce qui se passe. Tiens, on va aller faire ça parce que je viens de passer à côté, je me demandais de ce que c'était, on va aller voir. Voilà. Donc on est sur donc pour ceux qui rejoignent, qui viennent de voir l'épisode numéro 2, on est sur Mind Disney, un serveur qui a été créé par des fanatiques de Disney, qu'ils ont reproduit Disneyland Paris. En fait, ils ont reproduit une grande partie de l'univers Disney. Le parc d'attractions est basé sur Disneyland Paris. Ils ont refait aussi les studios de Disney. Donc on ira les visiter un jour ou l'autre. Piste 1, piste 2, voie plus rapide de ce côté, par là. Allez, voie plus rapide, il a dit. On va vers la voie plus rapide. Donc, je sais pas ce que c'est que cette attraction, on va la découvrir ça. Alors quand il y a des... T'as environ 1 minute 25. Bon, on appelle. Et on va attendre. Oula 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 oula. C'était par là, je pensais que c'était par sur l'autre côté. Aïe, je lag un petit peu. Aïe, ça lag un peu. Bon ben. Ça lag un peu, mais bon, moi. Ouais. Comme je recorde en même temps, et après, ouais, j'ai pas une bonne co au serveur, ce qui m'étonne un peu. D'habitude, c'est pas le cas.
pense que c'est dû au record. Mais bon, voilà, donc ça a l'air d'être une piste de. Pas trop ce que c'est comme piste, c'est bizarre. Je pense que c'est plus un truc pour faire la course. Waouh. Voilà, donc sinon je pense que je vais un peu vous parler de moi. Donc comme j'avais dit dans la première vidéo, donc je m'appelle VRL Cyril. Donc j'ai 19 ans. Donc actuellement je vous fais des vidéos parce que j'aime bien tourner des vidéos, moi ça me fait plaisir. En plus je vous fais découvrir un serveur que j'aime beaucoup, surtout que j'aime beaucoup malgré que j'ai 19 ans. J'aime beaucoup tout ce qui est univers de Disney. C'est moi, ça me rappelle ma jeunesse. En plus, j'ai comme qui dirais-je une nièce qui adore aussi, que j'aime beaucoup lui montrer les Disney, parce que moi, ça, pour moi, Disney, c'était un peu mon enfance, quoi. Je suis né un peu avec Disney. Et je lui fais partager, quand je la garde, je lui fais partager les mêmes choses, je lui mets des films Disney, parce que voilà, pour moi, c'est normal, on grandit tous, quand on voit Mickey, quand on va à Disneyland Paris, quand on va voir Mickey, tout et tout, on est tous contents. Moi, je m'en souviens très bien. Donc, voilà, donc, vous faire découvrir le monde de Disney sur Minecraft, j'ai trouvé ça pas mal, le concept est vraiment bien fait. Parce que quand même, faut imaginer quand même de créer un serveur Minecraft qui reprend le parc d'attractions de Disneyland Paris. Faut quand même le faire. C'est quand même spécial, c'est quand même long à faire. Et les personnes, franchement, y a rien à dire, hein, on peut leur dire chapeau. Tiens, bon, mais voilà, l'attraction était terminée. Donc, à mon avis, c'est plus pour faire la course avec vos amis. C'est voilà, donc, comme je vous le disais, hein, c'est. Hop, je suis parti du mauvais côté. C'est un serveur qui est pas fait pour s'amuser. Ben, si, il fait pour s'amuser, il fait pour visiter, se balader. En fait, c'est juste un plaisir de se balader, de voir des belles choses. Ça fait un peu parc d'attraction. Ben, même c'est un parc d'attraction. En fait, c'est vraiment pas mal quand on voit ce qu'ils ont fait. Beaucoup de gens maintenant sont beaucoup pour veulent faire des FK, des ultra hardcore, ils font plein de jeux PVP, des jeux où on tue, ils font tellement de choses qu'au final, ils perdent ce qui est Minecraft, quoi. Ils arrivent, c'est PVP, c'est PVP. Je connais une personne qui est un fanatique de Minecraft, il joue souvent à Minecraft, mais en fait, il fait que du PVP. Le truc, c'est que le PVP, c'est une chose, hein. Ah, là, je joue les musiques. Le PVP c'est une chose sur Minecraft, mais ça ne reste quand même pas l'élément moteur de Minecraft. Minecraft c'est avant tout la construction et la beauté des choses, quoi. Les personnes qui ont construit ça, c'était pas du tout leur but premier, était absolument pas faire un serveur PVP. C'est très joli ça, je sais pas ce que c'est, on va aller voir. Oui, donc là je pense qu'on va pas faire plus d'attractions pour aujourd'hui. Tiens, on dirait des chiottes. On va pas faire plus d'attractions que ça, j'en ai fait une, mais on va. Voilà, je sais pas. Ah, ça m'intrigue ça. Il va bien avoir un moyen d'y aller. Je suis sûr que je vais trouver. Ah bah oui, putain, je suis con, faut passer par là. Je suis en train de faire tout un tour, je sens que ça va pas être ça encore. Ah, je sais plus ce que c'est que ça. Si vous savez, vous me direz. Donc oui, donc hop, tant pis de chemin, on va passer par là. Donc là, vous savez, tout le monde sait que dans Disneyland Paris, il y a le grand château qu'on voit au début de tous les films. Ah, oh, je pense que j'ai enlevé les nuages. Je les mets, mais c'est bien nuage ça. Il y a un gros nuage ou c'est un bug? Je sais pas, attendez, hop, on va faire ça, option. Je
Vidéo setting, c'est quoi déjà les nuages? Cloud, voilà. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc je vous présente le château de Disneyland. Ce fameux château qu'on voit. J'ai oublié le... Je sais plus l'histoire de ce château. Je l'avais su un jour, quelqu'un me l'avait dit. Je me souviens plus. Donc on va un peu visiter. Regarde-moi ce château. Tiens, on a Castle Member. C'est chaud. Ah, pour ceux qui savent, vous me direz ce que c'est que ça. S'il y en a un. Tu sais, je fais, oh, il y a des endroits où je suis jamais allé. Oula, fait tout noir. Oulala. Oulala. Waouh. Je savais pas qu'on pouvait rentrer dans le château. Vous voyez, je découvre des choses avec vous, je visite. Après, oui, il y a quelque chose. Bah. Ah, moi, je dis, ce logo, il m'a fait penser à quelque chose sur le coup. Hein, pour ceux qui voient, vous savez de quoi je parle. Après, il y a quelque chose à faire. Il y a une queue d'attente. Non. Ah, c'est un musée. Je sais pas trop ce que c'est. Ils font comme si c'était un musée avec des œuvres. D'accord. D'accord. Ouais, c'est pas mal, c'est bien pensé. Tiens, on est passé par une tour un peu bizarre, on va passer par là. Hein. Ça y est, y a pas quelque chose d'autre de ce côté chi, voilà. Et on se balade 5 minutes et on trouve plein de choses sur ce serveur. Après, il y a juste la beauté de l'architecture qui fait que ce serveur est génial. Allez, là, on va aller passer. Qu'est-ce que c'est que ça? La tanière du dragon. Âme sensible, s'il vous plaît, veuillez vous écarter de votre ordinateur et faire ou fermer les yeux. Non, je rigole, je rigole. Allons voir un peu la tanière du dragon. Ah mais tiens, voici le dragon. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Merlin l'enchanteur. Ouais. Eh les gars, il y a Merlin. Ah, on est remonté. Déjà fini. Ah, c'est très joli. Vous voyez, quand je vous dis que le serveur est vraiment magnifique, c'est pas... Moi, j'adore me balader dessus parce que c'est reposant et je pense que je vais faire pas mal de vidéos dessus parce qu'il est tellement grand ce serveur. J'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des vidéos vite fait sur ce serveur. Ils regardaient, ils expliquaient vite fait. Mais ils faisaient... Moi, je veux vous faire découvrir ce serveur, surtout pour les gens qui n'ont pas Minecraft. Peut-être ça peut vous décider à acheter Minecraft puisque c'est quand même un jeu qui a une infinité de possibles. Exit Online. Ok. Donc là, je sais pas trop où on se trouve. Ah, c'est une sortie. Donc il y a une attraction par là. Il faut trouver l'attraction. Et je crois que j'ai trouvé l'entrée. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? Please, not food, not drink. Or smoking. Ah, je peux pas rentrer parce que c'est bizarre, je fume d'habitude. Donc. Non, je rigole. Oui, je suis fumeur en IRL. Je me tue les poumons. Âme sensible, s'il vous plaît. Ne fumez pas. Allez, finalement, on fait une attraction en plus. Allez, let's go. Castle Marble. Donc, ça a démarré tout seul, 2 minutes. Alors, désolé pour les petits lags qu'il y a. Je pense que c'est pas ce que je record. Donc, au pire, si vraiment vous voulez, vous venez sur ce. Vous n'avez qu'à venir sur le serveur. C'est un serveur, vous inquiétez pas, vous venez. Moi, je vous conseille de mettre les ressources packs. Il y a 3 ressources packs et vous faut aller sur internet, vous les téléchargez, vous les installez. C'est sans risque. Ah, il y a une musique qui. Hop, désolé. Alors, a priori, c'est l'attraction Pinocchio. Alors, il y a Pinocchio là-bas. Jimmy Cricket. Pinocchio. Waouh! Alors, sans le ressource pack, vous n'entendez pas la musique. Je tiens quand même à vous le préciser. Sans le ressource pack, vous n'entendrez pas la musique. C'est pour ça que je vous conseille de mettre la musique, parce que vous êtes lancé dans le truc.
J'ai l'impression que quelqu'un veut me tuer. On rentre dans une maison, attention! Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai... What the fuck? Hein? Oui, je vais par là, hein, faut... Merci de demander, hein. C'est magnifique. Please. Ah, c'est péchant de me fermer la porte. Ah non. Dimitri. La mer. Pinocchio Village. Waouh. Bon, bah après, on est arrivé. Le village de Pinocchio. Jean-Kevin en prison. Oh, dommage. Bon, bah, nous voilà arrivés, a priori. C'était très joli. Franchement, j'ai adoré ce... C'est vraiment exceptionnel, c'est... Moi, franchement, j'adore. Moi, j'adore ce serveur. Eh oui, je suis de retour! Pinocchio est de retour! Mais c'est moi, Pinocchio, a priori, dans ce wagon, donc pourquoi il est là? Bon, on va quand même à deux à l'heure, hein, faut l'avouer. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va se laisser sur l'abstraction de Pinocchio. Oh, Gepetto, oh. Pinocchio, le skin, j'aime pas trop. Les autres, ça va. Donc, je pense qu'à la fin de cette attraction, on va se laisser sur ça. Donc, j'espère que vous aurez passé une très bonne vidéo en ma compagnie sur Mind Disney. J'espère que vous aurez aimé, l'attraction, que vous aurez aimé le serveur surtout, parce que c'est vraiment un serveur qui est magnifique, qui vaut la peine d'aller voir. J'essayerai de résoudre ce problème de lag que j'ai, que ça a commencé un petit peu à bien faire, parce que regardez, on va vraiment pas vite, à mon avis c'est le lag. Donc voilà. Donc on arrive à la fin de l'attraction. Au revoir tout le monde, tchuss!